Céline, sur le tour, tu as des statistiques de wedging fantastiques. Tu peux me donner le secret? Généralement, je prends la distance ou mon cadet me donne la distance et j'essaie de savoir à peu près à combien de mètres avant j'aimerais la faire pitcher et pour avoir la distance de carry que je dois faire. Mm-hmm. Et après, donc je décide de la trajectoire et du club en même temps. Je vais la faire plutôt basse ou plutôt haute avec quel club. Et après ça, après une fois que j'ai fait la décision, je suis 100% dedans et j'exécute. Ok, et donc là, tu as quoi en distance pour pouvoir choisir ton coup? Donc là, j'ai 75 mètres au drapeau. Ok. Et le vent un peu avec et gauche-droite. Je pense que du coup, la faire pitcher vers 70 mètres, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai un 54 degrés. Et je vais essayer de la faire pitcher un peu à gauche du drapeau parce que la pente, avec le vent, je pense qu'elle va, elle va aller vers la droite après. Donc Céline, sur ce coup, c'est une prise d'info complète d'après les conditions du moment et choisir dans ta palette de coups celui qui correspond à la distance. Allez, à vous de jouer.